6h44 du matin et je me prépare pour mon retour au travail. Voilà, je me lève à 6h30. Là en plus je dois rajouter la petite routine avec les chatons. Donc malheureusement je vais pas avoir beaucoup de temps à leur accorder le matin là. Je vais au moins devoir manger, changer d'eau. La litière, généralement je le fais le matin. Et du coup bah j'ai décidé de le faire le soir maintenant parce que le matin ça va être un peu chaud. Donc du coup la litière elle avait l'air plutôt propre. Donc très très bien. Donc là je vais faire mes cheveux. Il fait pas hyper chaud ce matin, mais ils annoncent 27 degrés cet après-midi. C'est pour ça que j'ai mis une petite robe. Voilà. J'avoue, je n'ai rien, me suis pas spoilée. Je ne sais pas combien de mails m'attendent. J'avais laissé décharger mon téléphone pro. Du coup, je l'ai mis à recharger, mais je ne l'ai pas allumé. D'ailleurs, il est toujours en train de charger. J'ai oublié de l'enlever hier soir en me couchant. Donc, il va être bien, bien chargé. Normalement, je ne devrais pas avoir... Enfin, je ne sais pas combien de je vais avoir. Hein. Mais au mois de juillet, comme ça, sachant que les gens étaient prévenus que je n'étais pas là. Mais il y a des choses à faire à mon retour, là, avant mon départ en vacances. Parce que non, je n'étais pas en vacances. Donc, ça va être un mois assez chargé, je pense. Avec des choses à faire. Donc là, je fais mes cheveux. Et puis après, il faut que je mette ma crème et tout sur mon bras. Il faut que je pense à prendre une sorte d'écharpe un peu molletonnée. Là, pour, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir... poser mon bras sur le bureau sans que ça me fasse mal. Donc je vais quand même me prendre un truc au cas où. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc je vais prévoir quand même quelque chose au cas où. Faut que je finisse de préparer mon repas. J'ai mon thé matcha à faire pour emmener. Petit déj, je prends tous mes médocs, vitamines. Et je vais emmener mon cadre Harry Potter. Parce que eh ben, c'était le but, c'était de l'amener au travail. Donc je vais pouvoir l'accrocher. Voilà, voilà. Depuis le temps que je dis qu'il faut que je finisse, là, pour une fois, elle est finie. C'est quand même mieux de ce côté que de ce côté. J'avoue, je suis une de ces personnes qui n'aiment pas aller au travail de façon... ou même sortir, enfin, sortir comme ça pour aller faire des trois cours, maintenant ça va mieux. Mais j'ai du mal à aller au travail de... en étant pas coiffée, mal coiffée, quoi. C'est pas moi. Et avant, je me maquillais tous les jours, ce qui n'est plus le cas. J'ai déjà eu une petite évolution sur le maquillage. Je ne me maquille plus. Sauf occasion... particulière. La crème sur la cicatrice. J'essaie de masser un petit peu. Crème pour le visage. On est pas mal. Oh, nix. Et voilà, c'est pas mal. Et puis, du coup, je vais aller dans la cuisine. Alors, je vais lancer l'eau pour mon thé matcha. J'ai déjà préparé mon thermos. Évidemment, thé matcha. Un latte froid pour la journée. Tac, j'avoue, ça fait... J'en ai pas bu encore dans ma courroie à l'essence. Donc... ça va être le retour du thé matcha. Alors, la gourde. Enfin, le truc. Il vient de chez Starbucks. Le glaçon. Boisson d'avoine sans sucre. C'est mieux. Comme ça, pas de sucre. Je mets un peu dans la bouteille.
Ensuite, je verse le thé matcha. Et je re-remplis comme ça pour bien récupérer le matcha. Hop là. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, on s'occupe de la gamelle. Du coup, hier, j'ai préparé un début de salade avec de la mangue, de l'avocat, qui n'a pas bougé d'ailleurs, concombre, tomate, et je vais rajouter donc du riz que j'ai fait cuire hier. Mais du coup, j'avais pas... Parce que je me suis dit, en fait, j'ai même pas un peu de féculent pour tenir la journée. Donc, on va rajouter un peu de riz. Et qu'est-ce qui manque ? Des protéines, du coup, du saumon que j'ai fait décongeler hier. Juste là. Tac. Une planche à découper. Et ça ira dans ma petite thermos qui est juste là. Que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Que Packit, dont j'avais découvert l'existence aux États-Unis. Cette marque. Peut-être qu'il y a des pains de glace intégrés. Ce qui fait que ça tient en dehors du frigo tout seul. Après, maintenant, on a un frigo au travail. Et pour le goûter, ce sera du raisin. Tac. Ouais. Ouais, je vais vous donner un peu de saumon, là, les filles. Voilà pour la salade. Ça fait un peu comme un petit coquet, en fait. Et je pense que je la mettrai au frigo parce qu'avec la chaleur qu'il fait là. Ça et du coup du raisin. Ensuite j'ai ma bouteille de 1 litre que je vais remplir en eau. Il est 7h03, on est pas mal. Et du coup il ne reste plus qu'à prendre mon petit déj. Alors du coup j'ai du pain au levain là. Ça va, je vais me couper du coup en bout. Ça va être ça. Avec du saint-morel et du blanc de poulet. Voilà. Voilà mes petites tranches. Je sais pas si je vais tout manger. Mais généralement, j'emmène ça au travail quand j'ai pas fini. Surtout que là, il me reste 10 minutes. Alors du coup, généralement, je me mets une petite vidéo quand je mange. Là, je vais regarder un peu mes mails et tout. Mes mails asso, évidemment. Donc, en prenant mes traitements... Pas de mail. Est-ce qu'on a eu des inscriptions forum pendant la nuit? Donc là, je vais manger. J'étais en train de regarder une vidéo. Pas une vidéo, mais un épisode hier de Ghost Whisperer. Je me suis endormie devant. Donc, j'ai pas vu la fin. Donc, je vais regarder la fin. 7h22. D'habitude, je pars à 7h15. Mais là, à mon avis, il va y avoir pas grand monde sur la route. Du coup, j'y vais. J'emmène le fameux puzzle. Donc, sac à main puzzle, le lunchbox et l'ordi du boulot, quoi. C'est parti pour une journée de reprise au travail pendant qu'il y en a certains qui vont rester là à glander. Voilà. N'est-ce pas, Isis ? Bon, je suis arrivée, je suis la première. Du coup, je m'installe. J'arrive pas parce que le truc, il fait que tourner. Je vais attendre qu'un de mes collègues arrive pour m'aider, pour mettre le... Oh là, mes chocolats, à mon avis, là, ils sont dead, faut pas les manger. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça, c'était là. Hop là. Voilà, voilà. Ça va aller là. Bon, il est 17h20 passé. Je suis sortie du travail il y a 5 minutes. Et je vais aller faire un tour à Super U et Cultura parce que... en fait, j'ai zappé, mais je voulais me prendre un agenda pour le taf. Voilà, parce que au début, j'avais ça et... Et puis après, je n'avais plus. En fait, je trouve ça bien pratique comme pour noter ce que je fais, vu qu'on doit noter sur quel dossier on travaille. Et des fois, j'oublie. Voilà. Donc, je vais aller trouver ça. Je vais d'abord aller voir dans le Super U, voir s'il y a un truc pas trop cher. Sinon, j'irai à Cultura. Et après, je vais rentrer. Et finalement, ce midi, il y avait qu'un seul de mes collègues. Mon autre collègue était pas là. Et il me dit, oui, pour ton retour, on va au resto et tout. Du coup, on est au resto. Et j'ai pris une salade végétarienne avec des falafels et tout. Évidemment, j'ai pas tout mangé. Il restait la moitié de... Il y avait la moitié de l'assiette, c'était de la salade. Donc, j'ai privilégié le falafel et tomates séchées et parmesan. Parce que le reste, j'avais plus de place. Et en fait, bah, du coup, j'ai même pas faim au goûter. Là, il est 17h20 passé, comme je vous dis, 25. Et je n'ai pas goûté, je n'ai même pas faim.
Donc j'ai tout laissé dans le frigo du bureau et je mangerai ma salade que je m'étais fait ce matin demain. Et j'ai laissé mon raisin aussi. Après je vais voir, je vais peut-être me prendre un petit smoothie. Là il y a un Columbus Café pour le goûter. À voir ce que je fais. Et du coup voilà, je vous montrerai en rentrant ce que j'ai acheté. Et j'ai hâte de rentrer voir les chatons, voir si tout s'est bien passé. Me voilà rentrée. J'ai un peu tardé, il est déjà 19h16. Mon but là, ça va être d'aller me laver et de me caler à 20h devant le ping-pong, le tennis de table, pardon, pour les puristes. Je suis rentrée une bonne heure, un peu moins d'une heure. Et en fait, qu'est-ce que j'ai oublié de faire ce matin en partant? Verrouiller la porte du bureau. Voilà, donc je suis rentrée, j'ai vu qu'il y avait une ouverture comme ça dans le bureau pour rentrer. Bon, les chatons étaient dans le bureau. Je pense qu'ils se sont tous fait une petite frayeur. Du coup, tout va bien. De toute façon, ça va finir comme ça. Ils ont été vaccinés vendredi. J'ai fait un vlog d'ailleurs. Mais Oliver risque de partir cette semaine parce qu'il a eu la visite a eu lieu aujourd'hui chez sa future famille. Et Figaro va partir sûrement la semaine prochaine. La visite, c'est vendredi dans la future famille. Et Berlioz, il a une candidature, mais la personne ne m'a toujours pas contacté. Donc, du coup, il sera sûrement le dernier. Donc, il va sortir du bureau. Parce qu'il va se retrouver tout seul, le pauvre. Donc, du coup, il va finir par sortir du bureau. Mais en fait, Izzy se pousse la porte. En gros, ce qui se passe, c'est que mon espèce de loquet là, de la porte, il est cassé. En fait, ça avait été réparé il y a 2 ans et demi. Un an et demi, pardon. Je ne sais pas s'il y a que ça, parce que c'était à mes 30 ans. Il y a un an et demi par Thomas. Et du coup, bah, vu qu'en fait, je laisse tout le temps ouvert, je n'avais pas eu besoin de fermer tout ça. Donc, ça, c'était resté comme ça. Enfin, ça n'avait pas bougé, c'était toujours réparé. Et là, vu que j'ai eu les chatons, j'ai beaucoup fermé la porte. Et à un moment donné, j'ai trop appuyé et en fait, c'est resté coincé à l'intérieur. Donc de toute façon j'ai le cale-porte qui fait que la porte se ferme, mais je sais qu'Isis ici présente pousse la porte. Oui, et ce matin je me suis dit il faut que je ferme ma clé pour éviter que Isis puisse pousser la porte, et là j'ai oublié. Grosse erreur. Donc ça m'apprendra et je vais fermer à clé, parce que quand je suis là je l'entends ouvrir la porte, donc je peux contrôler, n'est-ce pas madame? Et du coup, je ferme pas la clé quand je suis là. Mais quand je pars, je ferme ma clé. Et hier et ce matin, j'ai oublié. Oui. Bref. Mais non, tout va bien. J'en ai profité pour leur faire des petits câlins, tout ça, tout ça. Du coup, j'ai trouvé mon agenda à Cultura. Super, il n'y avait rien du tout. Qui est comme ceci. Voilà, c'est un hexaconta. Un semainier. 16 mois de septembre, par contre du coup est-ce qu'il y a un petit peu août, sinon je ne vais pas pouvoir s'en servir tout de suite en fait, j'ai même pas fait attention. Ah, il n'y a que la dernière semaine du mois d'août. Bon, je vais déjà pouvoir écrire des trucs parce que j'ai déjà des rendez-vous pro. Mais voilà, il m'a coûté 17 €, mais au moins c'est jusqu'à décembre 2025. Donc ça c'est pas mal, et ce que j'aime bien c'est que comme ça je peux l'ouvrir il y a toute la semaine qui est là, et voilà. Et ça faisait un moment que je les avais vus et j'avais trop envie de m'acheter ça. C'est vraiment Caroline de CM2 fait sa rentrée. J'ai pris des crayons, c'est la marque Legami. Ce sont des petits crayons Bic. Je voulais celui avec la licorne parce qu'il est rose et il y était plus. Je le trouverai pas. Donc j'ai pris le petit chat noir comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, qui est un crayon noir. Et en gros, ils sont effaçables. Il y a une petite gomme là. Et j'ai pris l'hippopotame. Je le trouvais beaucoup trop drôle. L'hippopotame avec également la gomme. Et c'est du bleu. Voilà. Pour emmener au travail. Et je pense que celui-là, le petit chat ou l'hippopotame, j'emmènerai à Bali pour écrire sur mon roadbook que j'ai fait imprimer. J'ai un truc d'impression pour que ça fasse vraiment un petit carnet, parce que ben, y a toute la partie j'ai fait un tableau pour la partie budget, donc du coup je pourrais remplir au fur et à mesure, peut-être mettre des annotations, tout ça. Donc là je vais finir mon épisode de Ghost Whisperer. J'ai regardé aussi le vlog d'Angel Phoenix, je regarde tous les lundis,
Et je vais aller me laver pour me mettre devant le match par équipe de tennis de table. Il y a la France qui joue à 20h avec les frères Lebrun. Voilà, je peux plus suivre les JO de la journée. Mon collègue se regarde les JO en bossant. Bon, y avait pas, j'avoue qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait aujourd'hui, puis il me faisait savoir qu'il y avait des trucs qui se passaient. Du coup, voilà, n'est-ce pas Isis? Et du coup, j'ai rien pris pour le goûter là-bas, finalement. Voilà, donc, puis comme ça, je vais dîner parce que du coup, bah, vu que j'ai pas pris de goûter, je commence vraiment à avoir faim. Et puis, bah, puis en fait, la routine va se reprendre, c'est-à-dire qu'après, je vais aller coucher, quoi. Et ça, quand on se lève à 6h30 du matin, à 22h, on est couché, hein, même avant, à 21h, on est couché. Et j'ai téléchargé mon épisode de House of Dragon, donc je vais pouvoir me mater le dernier épisode de House of Dragon. Aïe, aïe, aïe. On va voir ce qui se passe dans ce dernier épisode. Dis donc, vous avez allumé la lumière? Oui? Hein? Je vois ça, la lumière, elle est allumée là-bas. Vous voulez donner à manger? Oui? Bah oui, vous avez faim? Et toi, tu râles aussi, toi. Hum? Je vais vous donner à manger. On va fermer les volets aussi. On va aller se coucher dans pas longtemps. Hop! Bon, du coup, j'ai regardé la fin du tennis de table. J'ai galéré à trouver le match. Parce que au début c'était sur France 5, après c'est passé sur France 3, et après il n'y avait plus. Donc je me suis dit merde, c'est passé où? Et heureusement que après j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être qu'avec mon compte Bouygues Télécom, j'ai accès à des chaînes, mais j'ai rien trouvé. Et après j'ai pensé que j'avais accès à Canal+. Via l'ordinateur, parce que mes parents ont Canal+, donc j'ai des codes. Et j'ai trouvé, au bout d'un moment, la chaîne, j'ai pu regarder la fin. Et du coup, la victoire. N'est-ce pas? Dites coucou. J'ai les trois là. Même toi. Coucou. Ils ont faim là. Ils ont faim, ces crapules. Ils avaient la dalle. Allez, on va mettre à manger. J'ai fait le montage de la vidéo et je n'ai rien conclu. En fait, ce qui est passé, c'est qu'après, je vois le petit. Je vois le dernier passage, c'est avec les chatons. En fait, j'ai été me coucher. J'ai été me coucher et j'ai même pas pu regarder House of the Dragon ce soir-là. Je l'ai regardé le lendemain soir. Du coup, j'ai enfin fini la série. Si vous avez regardé, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai été un peu déçue par cette saison 2. Voilà, pas assez d'action pour moi. Voilà, l'impression qu'il faut encore attendre la saison prochaine. Et je sais qu'ils vont en mettre 4, donc est-ce que tout sera pas dans la saison 4? Je ne sais pas. Voilà, j'ai bien aimé, mais voilà, quand il y avait de l'action, c'était vraiment 10 minutes à la fin d'un épisode. Et c'est tout. Voilà, du coup, je vous conclue cette vidéo sur mon premier jour de reprise du travail. Ça fait déjà 2 semaines. Au moment où je filme là, ça fait déjà 2 semaines que j'avais repris le travail. Donc, voilà, pour vous montrer la petite routine avec les chatons. Et d'ailleurs, depuis la vidéo, Oliver est parti. Voilà, il a rejoint sa nouvelle famille. Et pour vous dire, Figaro aussi avait du coup sa famille, si vous avez vu les vlogs. Mais ils étaient en vacances cette semaine avec le 15 août, tout ça. Donc normalement, il devrait partir la semaine prochaine. Et Berlioz a trouvé aussi un nouveau foyer. Donc il va partir sûrement un peu après, le temps de faire la paperasse, tout ça, et toutes les choses qu'il y a à faire. Voilà pour le petit update, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!